Putain, c'est Ludo. Tu peux m'aider, s'il te plaît, à scotcher ma caméra? Désolé, j'ai mon cours de tir à l'arc, là, tout de suite. Oh, mais putain. Eh, on peut scotcher ta caméra sur ma matraque? Je peux t'aider, si tu veux. Pourquoi tu veux scotcher ta cam, en fait? Bah, c'est pour me filmer en chantant et en marchant. Ça fait un clip. C'est trippant. Ouais, je te montre. Ouais. Attends. Pas personne. Petite sœur, je connais ta peine et ta douleur, car j'avais la même petite sœur. Eh, t'es ému? Bah ouais, un peu. Je buvais mon demi après mon running comme d'hab et il y avait tout le monde, quoi. C'est ouf, merci. Merci tout le monde. T'as un peu la pression maintenant? Non, pourquoi? Bah, je sais pas, c'est ta pote qui a tout organisé pour tes 30 ans. Il va falloir que tu fasses la même maintenant. Non, mais on fait pas l'anime d'Alison. Non, on le fait pas. Du coup, à force, je suis même plus quand c'est. Bah pourquoi? Bon, c'est pas un très bon souvenir. Mais tu sais pas quel âge t'as? Bah si, j'ai à peu près comme Camille. On fait à peu près la même taille. Pourtant, t'as déjà vu, mais je suis flou. Bah si, là, je fais mes covers sur Dailymotion. Non, je regarde pas les Dailymotion. C'est de la merde. Je me souviens, ce bon vieux look de merde. Ta gueule, papa. Et au moins, t'avais pas de problème d'élocution, hein? Hein, Ludo? C'est pas ma mère. Enfin, ça m'a quand même pris 8 ans d'orthophonie. Ma mère, elle m'a abandonnée à la naissance. Cool. Non, c'est mon compte Thierry. T'arrives à la bourre, hein? Ouais, j'ai déconné. Fais-moi un petit kiss. Chez moi, c'est 3. Donc, t'es la cousine de Camille. Oui, c'est ça. T'es très jolie, dis-donc. Eh, chez moi, c'est 6 tout autour de l'anus. Ouais, mais moi, c'est 3 autour des couilles. Thierry. Je peux filmer si tu veux. Non mais c'est bon, t'inquiète, je gère. Non mais comme t'as loupé la surprise, là je voudrais vraiment pas que tu te loupes. Non mais c'est bon, j'ai juste loupé l'horaire, pardon. Mais non, c'est pas bon. Enfin, c'est les 30 ans de Camille, c'est un petit peu stressant. C'est un moment important en fait. C'est une page qui se tourne, on pourra plus revenir en arrière après. Non mais ok, mais... Faut vraiment qu'on soit là pour elle, faut qu'on soit mobilisé, il faut qu'on immortalise ce moment. Je peux vlogger, ça me gêne pas. Mais bien sûr que si, ça te gêne, sinon tu m'aurais pas demandé. Bah oui, ça me gêne parce que je fais tout toute seule, donc j'ai besoin de mes deux mains. Après, si je vlog, bah j'ai qu'un bras et je sers à rien avec un bras. Mollo, Alison, parce que c'est pas parce que j'ai qu'un bras que j'ai pas mes deux oreilles. Joyeux anniversaire. 1, 2, 3. Oui. Ouais. Ils ont beau avoir été casse-couilles, petits. Ils sont quand même mignons, hein. Je te jure, rien de plus beau que l'amour fraternel. Je t'aime, frérot. Moi aussi, mon con. T'as un frère, toi aussi? Oui. Non. Alors, ma cocotte, ça fait quoi d'avoir 30 ans? Ça fait rien du tout, ça change rien. C'est dommage pour ta mère, hein. J'aimerais bien l'avoir sobre un jour, tu sais. Moi aussi. Tu sais, à ton âge, t'es déjà papa, hein. Faut pas tarder les filles, hein, parce que le temps presse. Ça, on venait d'acheter la grosse baraque à Pâté-sur-Mer, celle qui nous avait coûté un bras, là. Et tu sais qu'on s'est saigné pour toi et ton frère. Hein. Merci, papa. Excusez-moi, Camille, mon petit biscuit. On en a fait des anniversaires tous les deux, hein. 5? Non, 3. 3? Avant, j'étais juste un prankeur au chômage, accro au jeu à gratter, maintenant, grâce à toi, j'ai pas de travail et j'aime toujours autant gratter des Vegas. Mais j'ai arrêté de pranker parce que ça me rendait pas heureux. C'est toi qui me rends heureux. T'es mon numéro fétiche, ma Camille. J'ai organisé dans le plus grand secret une cagnotte vol commun rien que pour toi. Merci, mon ange. Évidemment, j'ai mis tout l'argent sur mon compte, mais je te fais le virement very soon après le virement pour l'emploi. D'accord. Allez ! Mais non, papa ! Mais non ! Tiens, ma fille, pour compléter ta cagnotte. Merci beaucoup. Check. Non, pas devant moi, ça me gêne. D'accord. Okay. Plus tard. Piston, le papa. Ah. Allez. Salut, on y va. Ouais. Salut. À bientôt. Ouais. Merci pour la soirée. Merci d'être venu, gros bisous. Bon, bah, moi, les filles, je vais y aller, hein. Vous rentrez à la caméra directement chez le KMA, j'ai pas trop le temps, je suis désolée. Ok, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir filmé et tout, trop sympa, je te fais la bise. Oublie pas, moi c'est 6 tout autour de l'anus.
Il t'a donné combien, ton papa? Bah, je sais pas, mais bon, tu le connais. Putain, il n'y a qu'une lettre. Ma petite loutre d'amour, joyeux anniversaire! Ah, tu dois être étonnée de ne pas trouver de billets dans ton enveloppe comme tous les ans. Mais cette année, c'est particulier. Eh oui, ça y est, 30 ans. Ah. Écoute, pour cet événement exceptionnel qui marque le tournant d'une vie, je voulais marquer le coup avec un cadeau d'exception. Je te fais le plus beau des cadeaux, la liberté. La liberté de payer ton loyer par toi-même, ton loyer du reste. Je te coupe les vivres pour mon bien. Je t'aime, ma fifille. Et on se voit comme d'habitude mardi en consultation avec Ludo. Et surtout, n'oubliez pas vos cartes vitales, je vous represcrirai du Valium. Voilà votre note. Et du coup, il vous reste à payer tout en fait. On prend pas l'échec. Eh ben, je vais aller chercher le porte-monnaie dans la voiture. Parce que je l'ai oublié. Du coup, on revient, je vais juste chercher mon porte-monnaie. Pardon Camille de t'avoir organisé cette surprise. Non, bah tu pouvais pas savoir, hein. C'est pas grave, ça partait d'un bon sentiment. Oui, mais t'as eu un sacré cadeau de merde. Oui, bon, bah, on va trouver une solution. Oui, allez. À très vite les glamsos. À bientôt. Gros bisous.